have a very, very special announcement to make today. If you'll bear with me for one more minute, I want you to feast your eyes over to the bottom of the demo slope here. My demonstrators have a VIP that they're moving to the middle of the snow here. This person, I think most of you know him. His name is Martin Jean. He's been leading our organization for 35 years. Martin Jean is retiring this year. We've got him for about two more months. And on behalf of Canada, we want to thank Martin for all of your service. You're an icon of skiing and ski teaching in our country and also around the world. Martin, we love you. Thank you for everything. We're going to miss you, man. Thank you so much. Mes premières expériences avec Interski datent de 1983. J'ai été sélectionné pour participer à l'Interski en Italie, à Sesto, comme démonstrateur. Alors, ça a été ma première expérience. Et puis de là, j'ai continué mon travail en tant que formateur. Et puis j'ai toujours aimé cette expérience de participer à un congrès international. Alors j'ai appliqué pour en 87, lorsque ça s'est tenu à Banff, etc. Alors avec les années, je suis devenu assistant entraîneur. Je suis devenu entraîneur aussi pour l'Interski au Japon en 95. Alors j'ai cheminé là dans ma carrière. Tous les quatre ans, depuis le début, avec un congrès international. Alors, ça a été une belle expérience, puis très enrichissante. Mais depuis mes débuts, je ne crois pas que fondamentalement le congrès a changé. Ça a toujours été un congrès d'échange entre les formateurs, les moniteurs de ski, sur le développement du skieur, sur la méthodologie et la technique. Mais c'est la façon de le présenter qui a changé. Et puis, sur la science qui est en arrière ou qui appuie le développement du ski. Avec les principes de biomécanique, il y a beaucoup plus de ressemblances maintenant qu'on en avait auparavant. C'est beaucoup moins basé sur le style, plus sur l'efficacité. Et puis, on en connaît beaucoup plus sur les autres nations à cause des réseaux sociaux, à cause des facilités de communication qu'il y a aujourd'hui. Alors, c'est ce qui a fait que le congrès maintenant est beaucoup plus universel et l'approche est beaucoup plus universelle. Je crois que l'équipement a beaucoup influencé l'approche que l'on a pour le ski, au ski présentement, le développement du ski. Les skis maintenant sont beaucoup plus faciles à tourner, sont beaucoup plus réactifs. Et puis ça a aidé beaucoup dans notre façon de développer le ski. Les principes que l'on utilise présentement sont toujours la même base, en fin de compte, mais je crois que les gens apprennent plus vite à skier maintenant qu'il y a longtemps, beaucoup dû à cause de l'équipement. Notre participation à l'Interski a toujours été significative. On a présenté au début, comme les autres pays, beaucoup de skis synchronisés. Et puis, on a toujours eu une bonne contribution au congrès, mais je ne crois pas qu'au début, on était pris au sérieux comme on l'est maintenant. On a fait beaucoup de progrès dans notre méthodologie, la façon de développer nos skieurs. On le voit par le système d'enseignement que l'on a. On le voit aussi par le résultat que l'on voit sur la piste avec les formateurs. Ils sont beaucoup plus performants, ils sont beaucoup plus au niveau des anciens pays ou des, je devrais dire, des vieux pays comme l'Autriche, la Suisse, etc. Nos meilleurs skieurs sont aussi bons que les autres pays, etc. Alors, je crois que l'organisation doit continuer à investir dans la participation de ce projet. Grâce à cette participation de ces congrès-là, on a évolué. C'est important que si on est sérieux dans le développement de notre ski au Canada, on a besoin de participer à une plateforme comme celle-ci internationale pour valider nos matériels, pour se comparer et puis pour voir où on en est dans notre développement.